Boker Tov à tous, et on commence la Amida par Hachem Sefatay Tiftach, ou Fi Yagid Teilatecha. Hachem ouvre mes lèvres et ma bouche dira tes louanges. Quand on va commencer la Amida, on va se déconnecter de notre corps et on va parler à Hachem avec notre âme. Comme on le sait, c'est que le corps, c'est l'enveloppe de l'âme. Et donc nous, on va essayer de faire abstraction au maximum de la matérialité physique qui est notre corps, pour se connecter avec Akadash Baruch Hu, avec notre âme. C'est comme, si vous voulez, le mécanisme d'une montre. Ça veut dire que les aiguilles qui bougent, c'est que des instruments de tout un mécanisme interne qui marche. Et étant donné qu'on se déconnecte de notre corps, alors on va demander à Akadash Baruch Hu la permission et surtout le pouvoir d'ouvrir nos lèvres, qui est la partie physique de notre corps. Dans la Amida, on va demander à Hachem, qui est le roi des rois, beaucoup de choses. Et on va se rendre compte de combien en fait nous on est petits et combien même c'est honteux en fait de venir demander à Hachem des choses. Alors on va demander de la permission de parler à Kadosh Baruch Hu. C'est comme si on veut prendre un exemple, les Avdil et les Falfa Avdalot, si on va voir un roi qui nous a donné une maison, des enfants, la santé, il nous a donné tout ça gratuitement, il nous doit rien du tout. Et nous, on vient et on va lui dire, excusez-moi, Votre Altesse, j'ai encore quelque chose à demander. On peut se sentir un peu gêné, c'est-à-dire non seulement que le roi, il te doit rien, il te fait des cadeaux tous les jours sans que tu viennes le demander, même si tu le remercies pas pour ce qu'il te donne, tous les jours, il va te le donner. Et nous, tous les jours, on vient et on redemande encore des choses. Et donc, c'est pour ça qu'on demande en quelque sorte, quand on commence l'Amida, on demande à Akadosh Baruch Hu, permets-nous. Laisse-nous ouvrir notre bouche pour te parler parce qu'on n'est rien, on n'est personne, on est tout petit, on a plein de choses à te demander et comme ça on pourra te parler. Bonne journée à tous.